Ah, champignon toxique, c'est la première fois que je vois ça, moi. Ah bah le piou-piou, il a pas fait long feu. Et encore, je me suis pris un coup que j'aurais pu éviter. Tout ça pour un bourgeon. C'est nul. On va faire le tour. Alors on repart là-bas, les tombes sont là, c'est là où on était, on revient par ici. Oh, il y a une grosse boule là-haut. D'accord, grand coup, petit coup. Alors, c'est fait. Eh, maintenant on peut scoltiner les vierges de fer. Ok.
Alors ici, vous reconnaissez, c'est la caverne où on avait été avec Amou pour récupérer l'arc serpent. On se le tente une fois. On va certainement mourir. Hein. Ouais bah on va mourir. On aura récupéré ça.
jusque là ça va. Je vais attendre un petit peu parce que là il va falloir que je traverse et je sais pas sur quoi je vais tomber. Donc vaut mieux que j'assure le coup. Ah, grande flèche.
Ouh, il a du mal. Ça lag pas mal quand même. D'accord, de l'autre côté il y avait aussi. Trop venimeux. Ok, je me retrouve à poil devant le... Ah, Scarabée d'or. Eh, on en parle de... One shot, hein. Bon, après, j'arrive tardivement aussi. C'est peut-être surtout ça, quoi. Ok, bah écoutez. Content, et en plus, on a le Scarabée d'or. On va pouvoir farmer comme un malade, c'est ça? Attendez, je regarde un truc, là, parce que le Scarabée d'or, moi, ça m'intéresse. Les runes qu'octroient les ennemis vaincus. Ok. Ouais, c'est cool, ça va aider pour le farm.
on va se laisser là. On a fait la grotte, c'est déjà pas mal. A plus. Re tout le monde, on se retrouve ici, excusez-moi, j'ai oublié d'enregistrer. En fait, on vient juste là-bas, vous voyez là où il y a le chien. Ben juste derrière, c'est la caverne. Vous voyez, il y a les deux chiens qu'on avait tués et il y a la... Il y a la vierge qui doit être juste en dessous là-bas, là où j'ai le chignon de mes cheveux, pas loin derrière le chien. Bah d'ailleurs, je crois qu'on la voit, on voit l'arbre où il y a tous les morts là et tous les chiens morts. Et juste à côté, on la voit la vierge, elle est juste là en bronze, au-dessus de ma tête. Donc la grotte est là-bas, donc j'ai juste le temps de faire ça et je suis arrivé ici, j'ai trouvé ce. Je sais même plus comment ça s'appelle, le site de grâce, voilà, c'est ça. Ici, on a... Hop. Alors déjà, on a ça pour voir la région. Ok, donc on a ça pour voir la région. Donc comme je vous disais... ouais. Le site, il est juste là. Vous voyez la petite lumière jaune tout en bas, là. Tout en bas de l'écran, au milieu. Et la grotte, elle est là-bas. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand-chose. On voit la Vierge. On voit les deux chiens, comme je vous l'ai dit. J'ai juste le temps de faire ça. Je suis arrivé là. Ensuite, alors, dans ce coin-ci, ce qu'on n'a pas fait, c'est tout ce qui est ici. Alors ici c'est là où on a eu... Il y a le bâton météorique, c'est pas ça? Et sinon, là-bas on n'a pas fait. Ça on l'a fait là-bas. Là-bas c'est l'église, ouais d'accord, c'est pour ressortir. Là, c'est là où on a été, ben, c'est là où on était juste l'épisode où j'avais oublié d'aller dans la cave. D'ailleurs, on la voit de la cave. Elle est, c'est le rectangle marron et on voit même l'emplacement des trois chars, vous voyez? Le corbeau qu'on avait dézingué là-haut. Normalement, il y a le cimetière aussi qui doit être pas loin. Le cimetière, il doit être juste derrière là-bas, dans le coin. Ouais, derrière l'arbre. L'arbre qui est au milieu. Ok, donc tout ça on l'a fait, reste à s'attaquer ici sur le côté, faire le tour.